Je tiens d'abord à rendre hommage à ces braves infirmières qui ont été victimes de l'irresponsabilité des nos autorités étatiques. Il n'est pas admissible que des structures de soins ou des agents de santé constituent des cibles pour les inciviques. Ce qui s'est passé, ça ne s'est pas passé au fin fond du pays. Ça s'est passé en pleine capitale. Et c'est inadmissible que des gens, près de 50 inciviques des Koulouna, puissent prendre le temps d'arriver sur les lieux, d'opérer jusqu'à violer des femmes innocentes, infirmières, qui ont commis le crime juste de se retrouver sur leur lieu de travail. Sans qu'une intervention n'arrive. Jusqu'à quand? Nous allons continuer à vivre dans une société où les gens n'ont pas de droits, où ceux qui nous dirigent ou ceux qui ont des responsabilités vis-à-vis des populations resteront tranquilles et penseront qu'ils continueront à travailler dans leur bureau climatisé, alors que ceux pour qui ils sont censés travailler, sont en train de subir des drames. C'est inacceptable. Et là, ça doit être une goutte d'eau qui doit pousser les acteurs à chercher en toute urgence et en toute priorité des solutions.